ça y est. Eh ben salut Twitch, salut YouTube, c'est Escatapoil. On se retrouve en ce petit dimanche un peu pluvieux pour les aventures de Kinect en folie. Parce que, clairement pas pour Lara. Donc c'est un petit peu pour Lara quand même. Et Kinect qui m'embête déjà. Hein, de focus sur mes yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais essayer de le... C'est la carte que tu veux. Hop, je recule. Si j'avance... Je peux... Il faut pas que je regarde le... D'accord, c'est pas grave. Donc, on est arrivé, on a récupéré l'atlas. On a récupéré l'atlas, il y a Kevin Razi qui nous a dit qu'il était en vie. Et donc il faut qu'on aille le retrouver. Et moi j'ai dit que je trouvais ça louche. Je vais faire le saut de l'enjeu tout de suite. On va faire ça plus tard. Jonah! Bah il est là. T'as pas bonne mine. Mais au moins, t'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison, la source divine existe. J'aurais tant voulu qu'il voie ça. Oui, c'est avec Isaac. Tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara, ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. The trap. Pourquoi il est pas venu en personne? Les fondateurs de Kitage étaient de brillants artisans. Ah, plutôt, ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Bah tu le poses au milieu. Voilà. Jonah, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. Waouh. J'avoue c'est bon. Incroyable. Ils ont dû s'en servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité juste sous le lac. Mais il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale, où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop! On y est. Ah. Kitej ne se trouve pas sous le lac. La cité sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace? On met le feu. Attends.
Ce chemin-là mène. Bon, Jacob, il est pas très. La cathédrale se trouve là. Il est pas très enthousiaste. Et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément. Ici. L'entrée de Kitej est ici. Vous le saviez. Ah oui, il le savait. Bah ça y est, ils ont tout cassé. C'est lui qui t'aige. Ils vont le tuer. Ah, il est enlevé. Kevin ! On va voir les vidéos de Studio Bagel maintenant. Sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. C'est quand même plutôt joli. Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Bah si, on va retourner dans le goulag, on aime bien. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara, est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Et donc là, si on est bien là où je crois qu'on est, et voilà, on est à côté de la mine, dans la zone où on pouvait pas aller avant. Tête de flèche crantée. D'accord, je suis pas sûr de tout comprendre comment ça fonctionne. De toute façon, là j'ai rien à. Comment ça, j'ai un point de compétence? Putain. Non, c'est ça qu'on voulait devenir un grand chasseur. On voulait devenir le meilleur chasseur. Écoute.
Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Encore de la propagande. Pardon. La propagande communiste. Profite, hein. C'est pas parce que ça a l'air abstrait qu'on va... fait rien. Lara ! Lara ! Réponds-moi ! La dernière fois que je t'ai vu, t'étais... Bon sang, Lara. Lara Croft, championne de la crobranche, quand même. La tempête se rapproche. Legit, hein. Totalement legit, tu es totalement en travers, mais elle se plante bien à la perpendiculaire. Je crois que les Trinitaires, ils ont enlevé le respect avec en même temps que Kevin Razi. Je sais pas si tu m'entends, Lara. Mais je perds pas espoir. Il se passe quelque chose là-bas. J'ai grimpé à un arbre pour avoir une meilleure vue de la vallée en dessous. Je vois de vieux bâtiments et des gens qui s'affairent. On dirait qu'ils ont des... Oui, c'était... En fait, c'est avant qu'ils me retrouvent. D'ailleurs, je voudrais voir... On en est sur cette zone là. 11 sur 12 fraises, comme ça, 2 sur 2, 4 sur 4, 2 sur 5. On a quasiment tout fait en fait là. Ouais, 92%. Donc juste une fresque. Yes.
faut que je trouve un refuge. Oui, bon, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une veste parce qu'il fait un peu froid là. Ah, on est en camo hiver maintenant. Et Kinect qui refait encore des siennes. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah. Ouais, Jonah. Vite. Allons-y là, Kevin. Kinect nous laisse bien. À droite. Tu veux pas. Je crois qu'elle est un peu buggée. Tarzan. Oh, yo, yo, yo. C'était juste. Comment c'est qu'eux ils peuvent le voir? Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend? Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Maintenant que nous sommes proches de la fin. Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Si, on est proche de la fin. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source? Il faut qu'on soit prêts. Non! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi, tu ne mourras pas.
Constantin, le prisonnier est prêt. On vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route. Parmi Kinect, tu m'embêtes. Il bouge pas, hein. Bon. C'est parti pour l'infiltration. Des traces. Ça pourrait être les traces de Bambi là. Ça ou une Jeep. J'essaie de survivre dans la nature. Calme, reste quand même sur tes. On attend des invités. Croft pourrait venir chercher le prisonnier. On est en attaque maximale. Pourquoi on ne tue pas directement? Peut-être quelque chose. Constantin va se faire un plaisir de cuisiner. Carte, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Le camion était trop lourd. On s'est effondré. Tout se casse la gueule ici. C'est pas possible. Il faut pas qu'on prévienne? Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher? C'est pas sûr. Constantin a juste donné l'ordre à tout le monde de se préparer. Assassinat. Assassinat. Troisième. Sur le terrain pour les Trinitaires? Non, j'ai participé au nettoyage de l'île, après l'évasion du Croft. Leur mission, il paraît que vous avez eu à descendre des natifs là-bas aussi? Ouais, une sorte de secte qui vénérait le sang. La sortie sont plutôt. Croft est plutôt balèze de s'en être sorti. Assez balèze, ouais. Mais maintenant, nous, on doit se mettre au dîner. Rakio. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain.
Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les ailes. Mais gaz ou... Ouais, on a récupéré la classe. Ils l'ont emmenée à la station météo. Pourquoi là-bas ? Je sais pas trop. J'ai entendu des bribes de transmission à propos d'Anna, qui voudrait accéder au dôme. Peut-être qu'ils ont une idée de comment le traduire ? J'en sais rien, mais on a reçu l'ordre de plier bagages. Les choses vont s'accélérer maintenant. Hein ? Je vais voir ce que c'est. Ouais, ça va voir. Éloigne pas. Où est-ce que c'est ? Une minute, je vais voir ce que c'est. Ouvre l'œil. Alors, qu'est-ce qu'il voit lui ? Qu'est-ce que ça venait ? Hop ! Bloc de collision. On nous attaque ! Il est du chaud ! C'est parti ! Allez, pas de bonne vie, Tracchio. Tu respires mieux comme ça. Mec, t'arrêtes de zoomer, s'il te plaît. Je te vois. Peut-être arrêter le... Ouais. Ça m'énerve d'avoir une... Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les airs. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose là. Alors, ça s'est bien passé l'attaque de l'observatoire ? Ouais, on a récupéré la classe. Ils l'ont emmenée à la station météo. Quoi là-bas ? Je sais pas trop. J'ai entendu des bribes de transmission à propos d'Anna qui voudrait accéder au dôme. Peut-être qu'ils ont une idée de comment le traduire ? J'en sais rien. Je vais regarder. Je reviens. Ouvre l'œil. Il n'y a rien. Je crois que c'était par là. Il n'y a rien du tout. Tu peux t'endormir. Définitive. Il faut attirer que j'ai un contact. Forcément. Oh mais non, je suis sûr qu'il est mort aussi. Ah oui, il tire à la tête. Putain. Double KO. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les airs. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose. Alors, ça s'est bien passé l'attaque de l'observatoire? Ouais, on a récupéré l'Atlas. Ils l'ont emmené à la station météo. Quoi là-bas? Je sais pas trop. J'ai entendu des bribes de transmission à propos d'Anna qui voudrait accéder au dôme. Peut-être qu'ils ont une idée de comment le traduire. Plus fun. J'en sais rien. Mais on a reçu l'ordre de plier. Vous allez avoir froid vous deux. Tiens, pour vous réchauffer. Rapprochez-vous. Et ouais. Rusé Lara. Un petit passage. Avec un feu. Anna est dans le coin. C'est un sceau pour sceller les lettres des Trinitaires. Presque plus personne n'utilise. Wow. Non, de toute façon, on ne pas. En Syrie? Ouais, c'était un sacré bordel. Croft? Constantin s'attendait pas du tout à tomber sur elle. Elle a réussi à faire s'effondrer le tombeau tout entier sur nous. Un vrai boulet. Ils sont trois, y'a pas de... Parlant de Croft, si. Elle est toujours en cavale. L'ordre de la ramener en ville. Si vous l'oubliez, on va les réchauffer. Ils auraient dû s'en débarrasser quand ils le pouvaient. Elle nous a bien aidés quand même. Elle nous... Je sais pas viser aussi.
Non, putain. Je vais me soigner. Oh, j'ai fait de la merde. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de la merde. Ah! Il me faut un tir de couverture! Bon, on est malin! Hein. Aïe! Tu me fous des coups de tatane? Brûlé. J'ai plus de. Coffre-fort. Il y en a deux, trois reliques, un document, une fresque. Voilà. Un pendentif. Non. C'est un reliquaire moderne. Il contient un minuscule... Nous sommes à l'aube d'un monde nouveau. La source divine a été localisée. C'est Constantin, il est content. Ça y est, oh, il y a une planche de bois devant, c'est totalement condamné. Une cartouche de fusil. Mais elle a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Rien. Il y a une inscription en latin en bout. Tu es les... Non.
Je refuse de mourir dans cette vallée perdue. Là, c'est Anna qui veut pas mourir. Je me suis rapproché cette fois. Je me suis dit que quand je te trouverais, j'aurais peut-être appris quelque chose d'utile. Ah, c'est Kevin. Kevin. Et c'est parti là, t'es tout réchauffé maintenant. J'ai bien fait la main sur les zones de main. C'est drôle. C'est pour se faire la main. Accrobranche. Attention, des scripts partout. Ouais, si elle le sort quand même entre temps son respirateur. Lara, elle arrive et est pas contente. Oh, c'est discret ça. La zone. Cinématique. Il y a quelqu'un. On apprend juste les clés. Chut. Votre loyauté envers elle est totale. Elle a aidé. Je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Dites-moi ce que vous savez. Maintenant. Ah
Ah bah oui, c'est du verre par balle. Faut peut-être réfléchir avant. Vas-y, tue-le. Vas-y, Kevin, tire. S'il vous plaît, non. Ne l'écoute pas. Je faisais seulement ce que je croyais être juste. Bah oui, il était con, Kevin. Alors aussi. Ratissez les cellules. Tuez-les tous. Ah oui, y a de quoi rager là. C'est pas grave, il a tapé dans le gras. Désolé. J'aurais dû le tuer. Mais il avait pas d'arme, j'ai pas pu. Chut, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis tellement désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Figurant qui passe. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Connect, je suis là. Il va mourir. N'oublie pas. On n'a pas beaucoup de temps. Barricadez la porte. Les unités, répondez. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Avant, je me repose au feu. Je sais que tu aimes lire les revues archéologiques maintenant. Mais je t'en prie, si tu lis des choses déplaisantes à mon sujet, n'y prête pas attention. Ces gens ne comprennent pas la portée de mes recherches. Elles les effraient même peut-être. Mais l'ignorance de ces imbéciles ne m'atteint pas, et elle ne doit pas t'atteindre non plus. Je t'expliquerai tout le moment venu, ma chérie. Ces gens qui avaient peur, est-ce que c'était les Trinitaires? Tu ne m'as jamais dit. C'est ça que je vais pas tester. On sera bientôt en position. Je ne vois pas encore la cible. J'attends les ordres. Reste en position et tiens-toi prêt. Elle est dangereuse. Bien reçu. Ah oui, d'accord. Ok, ils étaient là le reste des trucs. Il manque pas une fresque ? Non, ça c'était l'entrée. Tant pis. On remarque. C'est juste à l'autre feu, donc j'allais à l'autre feu rapido. Justement pour récupérer le coffre. Bon, ça fera deux chargements, mais c'est pas grave. Là il est... Putain ! De fusil à pompe automatique.
faudrait que ça me déverrouille un... truc, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas... Sauver Jonah, mais je l'ai déjà sauvé Jonah. Faut que j'aille tuer l'autre. Ah voilà, ça c'est bien. Ok. Faire un finish au pistolet. Je vais devoir leur faire des combos. Ah non, de la fumée rouge. Mon point faible. Il suffit d'aller ailleurs. Et venez, venez, venez. Par là.
Et par là, toi. Ça, je suis déjà plus là, je suis déjà parti. Je suis servant de quoi. Aïe. C'est pas grave, j'ai fait mon finish au pistolet. Par là. Votre pote il est tombé par là. Hein. Il faut venir. On voit rien du tout. On avait rien vu du tout. Un peu loin mais c'est pas grave. C'est bon, tu... c'est bon, il est mort. T'occupe pas de débarrasser du cadavre. C'est... juste régalon comme séquence en fait. Soigner dans l'eau. Je peux pas me soigner dans l'eau. Voilà, bien baisé. Mais non, mais... tout une voix. Non, ils m'ont vu. Putain, ils m'ont tiré dessus. Non. Putain, mais... Bon, j'ai sorti.
tire, je vais juste tous les flinguer en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a plus en visuel. Directement l'objectif qui est au milieu, d'accord. Ça m'aide pas. On y est. Préparez-vous. Intéressant. Je vais les laisser venir à moi. Oh ouais, là il m'a fait un petit coup de machette. C'est dommage, j'en étais bien sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a plus en visuel. Dans l'eau, allez jouer à l'eau. Vous voyez pas, je suis pas là, je suis un fantôme. Aïe, putain. Soigne. Dis, on se soigne, Lara. Voilà. Putain. Non, mais putain. Elle est
ça. Elle est super chiante cette séquence. Voilà, j'ai encore plus de vie. Boum. Headshot. Voilà. Je dois rejoindre Jonah. Bah putain. Ah oh non, pas ça, non. Jonah. Jonah. Ouais, il respire. Lara. Il est pas mort. Je suis là. Il va pas mourir, Kevin. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaye de ne pas bouger. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Voilà, oui. C'était la morale. Il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas. Il est mort. Pas mourir. Nous pouvons l'aider. Ok, vas-y. Comment ? Il faut retrouver le... Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Mon Twitch est un peu bugué. Donc je ne vois plus... Pas s'il y a des trucs dans le château. Toi, il n'y a pas grand chose. Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah maintenant. On doit le ramener à l'observatoire. La fête ? Il a pas besoin de... Je vais pas me le traîner pour... Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. Voilà. C'est vrai que Twitch est cassé. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Ah non, on va lancer. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? J'aurais pu... Okay, dites-le-moi. C'est pas grave.
Le prophète immortel. Ah. Je savais que c'était lui. Je veux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source... Je le savais. Putain. Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Révélation de ouf. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez? Depuis des générations? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. C'est bon, j'ai retrouvé ma fenêtre. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris Kitège d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les Trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père! Il passe à l'action! Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. Ah. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que c'est la fin du jeu, donc faut peut-être que ce soit dangereux à un moment. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. Ouvre la marche. De l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre ami. T'as intérêt à le soigner, Kevin Razi. Sinon, ils vont faire comment le studio bagueule. Bon, bah voilà. Révélation de ouf. Putain, y'a un petit truc là. On va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pas mal d'action. Il y a eu un petit passage chiant quand même. Bon, on a fait l'infiltration, on a tué des gens. On a enfin réussi à comprendre comment achever les gens au corps à corps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord viser avec l'arme pour... Ah bon, c'est rigolo. Donc voilà, la suite, je sais pas trop quand. Dès que je peux. Voilà, d'ici là, jouez pas trop. Portez-vous bien, des bisous.